dans l'introduction, on disait Molingami wana nakamwe mutu ya lobi. Notre thème c'est, est-ce que vous pouvez répéter cela, citer le thème? Est-ce que boko kozonga la ko citer thème oyo? Un peu plus fort s'il vous plaît. Merci. Donc de la captivité à la délivrance de Jésus. Ou en d'autres termes, de la prison satanique na boloko na satana à la délivrance de Jésus. Na kosiko la makati na Yesu. Hier, le Seigneur nous a parlé sur cette femme de Luc 13. Il était aussi fille d'Abraham. Il assistait au culte dans une synagogue. Dans synagogue. Mais elle était malade. Jésus a dit que Satan l'a emprisonné pendant 18 ans. Satan a kanga ki na boloko pendant 18 ans. C'est Jésus qui nous a dit ça. Wana Yesu mtayipsi biso makamboyo. Bien aimé, Molingami, je voulais que tu saches certaines choses. Na lingi oyeba makambo mosusu que la prison satanique ou les prisons du diable existent. Ba boloko ya Satana ezali ko exister. La Bible nous le dit dans plusieurs versets. Biblia ezo le bapso na ba verset ebele. Mais quand le diable prend quelqu'un dans sa prison, tango Satan azo zo moto na kati na boloko na ye, des fois il ne prend qu'un domaine de la vie de la personne. Tango so azo kaka parti moko ya bomo ya mutu oyo. Comme cette femme là. Lolenge mwasi oyo. Le diable n'a pris que sa santé. Wana Satan azo ikaka santé na ye. Mais il l'a laissé en liberté. Atikiye na kati na liberté. Elle pouvait assister au culte. Akoyiko assister na kati na mayangani. Elle pouvait aller suivre des enseignements. Akoyiko peko kene kola na mateya. Elle pouvait faire n'importe quoi dans sa vie. Akoyiko sala nyonso zaki kati na bomo inaye. Mais sa santé. Mais santé na ye était liée. Ezalaki na kati na boloko. C'est comme ça que le diable agit. Lolenge wana Satan asalaka. Comme je le dis souvent. Lolenge na lobango mbala mingi. Beaucoup de gens disent. Batebele bazali koloba. Parce que il s'est convaincu. Converti à Christ. Parce que na bongo le motema, ils disent que azolo, bazay ko le baite, moi les sorciers ne peuvent pas me manger. Ngai ba bandoki ba koki ko la ngai te. Mais qui t'a dit que les sorciers doivent nécessairement te manger? L'objectif du diable, ce n'est pas de tuer tout le monde. La Bible nous montre trois buts du diable. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc celui-là qui vole, c'est la même personne qui tue. Celui-là qui tue, c'est la même personne qui détruit. Dans la vie de certaines personnes, il ne va pas tuer, mais il va voler. Dans la vie de certaines personnes, il ne va pas voler, mais il va détruire. Donc pour lui, s'il arrive à accomplir une de ces choses, il est content parce qu'il a accompli sa mission. Comme dans la vie de cette femme, le diable n'avait pas le plan de tuer cette femme. Donc cette femme-là était malade pendant 18 ans. Elle disait peut-être, ah, le diable ne peut pas me tuer. Et le diable lui répondait, qui t'a dit que moi j'ai la vision de te tuer? Mon problème ce n'est pas de te tuer, mais mon problème, j'ai déjà volé ta santé et je suis à l'aise. J'ai accompli une de mes buts
dans ta vie. Et je suis à l'aise. Donc tu peux vivre même 100 ans. Mais l'essentiel est que tu souffres. Tu si tu veux que je rajoute encore 20 ans, je peux te rajouter. Mais l'essentiel est que tu souffres. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif du diable. Or, nous les enfants de Dieu, Jésus nous a donné la délivrance complète. Un jour, un pharaon négociait la bénédiction d'Israël avec Moïse. Bien-aimé, la bénédiction ne se négocie jamais. Pharaon est venu devant Moïse. Il a dit, tu m'as assez frappé. Partez plaît là. Et je perds. Je vais vous laisser partir. Mais toi, prends tous les hommes. Et partez. Mais laissez les femmes et les enfants. Moïse a dit non. Nous allons sortir avec nos enfants et nos femmes. Pharaon a endurci son cœur. Moïse lui a frappé. Et Pharaon a dit maintenant, prends tes femmes et les enfants. Mais laissez les brebis. Moïse lui a dit, c'est toi qui mettras dans nos mains ce que nous allons offrir à notre Dieu là-bas dans le désert. Même pas une aiguille. Une aiguille des enfants d'Israël ne pourra pas rester ici. Même un seul cheveu ne pourra pas rester ici. Nous allons sortir. Nous et nos familles et nos pieds. Nous allons sortir. C'est ça la délivrance de Jésus. Mais ce que l'ennemi fait, il te laisse partir, mais il prend ton mariage, il le met dans des prisons, il te laisse partir, et toi tu es content parce que tu es en vie. Mais pour trouver le mariage, c'est difficile. Le diable fait cela. Il te laisse. Tu peux aller chanter à l'église, tu peux aller prier, mais il prend ta faculté, ta fécondité. Il prend cela. Il le met dans des prisons. Et il te laisse. Il prend ton boulot. Tes papiers. Il te laisse en liberté. Il prend tes papiers. Il le met là-bas. Et il dit, vas-y. Tu peux aller servir ton Seigneur. Tu peux aller. Fais ce que tu veux dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé. On est assez de voir Satan agir ainsi. Jésus nous a libérés. Et notre esprit, et nos âmes, et nos corps a été libéré par la puissance de Jésus. Aucun de ton domaine ne restera là dans les prisons sataniques. Tu auras la délivrance complète et totale au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là?